Bonjour, Son Excellence. Bonjour, le numéro 1 de la RCA. Je profite de mon passage dans cette ville de Wildfontein, au nord-est de la Hollande, ville frontalière avec l'Allemagne, pour vous envoyer ce SOS agricole. Monsieur le numéro 1, il y a 2 ou 3 ans, nous avons embarqué sur ce combat courageux et ambitieux de transformer le cœur de nos compatriotes endurcis par une agriculture de la faim et de la pauvreté à une agriculture qui crée la richesse. Il est vrai, nous sommes au début de ce long combat fatidique, mais je puisse déjà vous dire, monsieur le numéro 1, qu'il se trame quelque chose. Quelque chose de très important. Voici pourquoi j'ai trouvé l'opportun aujourd'hui de vous mettre au parfum. Oui, monsieur le numéro 1 de la RCA, depuis un certain temps, vu l'évidence du nombre progressivement croissant de mes échanges avec nos compatriotes, et en particulier nos compatriotes de la diaspora, il me revient de noter que nos compatriotes, comme une graine qui germe, exprime un intérêt hors pair d'apporter les contributions au développement de la RCA à travers l'outil agricole. Cet outil qui est discutablement le seul outil capable non seulement de renforcer mais aussi de stabiliser ce vent de paix qui souffle aujourd'hui sur notre pays. Cet outil qui est capable de faire office de cale, là où pousse, là où souffle le vent de la paix. Cet outil agricole sans laquelle il y a l'ombre d'un risque qu'avec le temps, que ce vent puisse s'affaiblir, qu'il puisse s'arrêter et conséquentiellement qu'il puisse changer de direction. Monsieur le numéro 1 de la RCA, voici donc cette opportunité bouillante qu'il faut que notre nation saisisse. Monsieur le numéro 1, voici donc cette opportunité bouillante qu'il faut que vous saisissez. Pendant donc mon vagabondage agricole dans ce pays où se pratique une agriculture de luxe, extra fine, ma conviction selon laquelle non seulement que la RCA possède un potentiel agricole hors pair très recherché, mais aussi que la RCA est assise sur une grenade agricole dont seul vous avez la main sur la goupille. Cette grenade agricole qui pourra changer radicalement la RCA. De mémoire, c'est la troisième fois que je vous envoie un SOS agricole, mais par la nature, beaucoup de SOS n'arrivent pas à bon port. Mais j'ose croire que celui-ci arrivera à bon port, et en ce début de ce deuxième mandat, j'ose croire
que vous ne me donnerez pas l'occasion de vous envoyer un quatrième SOS. Monsieur le numéro 1 de la RCA, voici le moment. Monsieur le numéro 1 de la RCA, c'est le moment. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes choses. Vive la RCA agricole, vive la RCA.